en équilibre sur le fil du temps, de générations en générations. Nous avançons sur le chemin de notre engagement, parmi les gens. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Notre engagement est un parcours de femmes et d'hommes qui ensemble alertent, agissent, fédèrent. Notre engagement est un parcours sur lequel nous semons le progrès social depuis plus de 120 ans. Au fil du temps, au cœur des territoires, notre engagement est un chemin parmi les gens. Être mutualiste, c'est pouvoir s'occuper de tous les patients, quel que soit leur niveau social. Tout le monde a le droit d'être couvert et mieux vivre dans notre société au XXIe siècle, en France. C'est aussi dans cette optique-là qu'a été développé le 100% santé. Téléconsultation, tiers payant, reste à charge zéro, promotion de la prévention dans le monde du travail et celui de l'éducation. Notre engagement est un parcours de conquêtes et de progrès, d'innovations sociales et technologiques. En équilibre sur le fil du temps, de générations en générations, notre engagement est un chemin d'écoute, de gestes, de rencontres. Ici, ce qu'on souhaite offrir à nos aînés, c'est bien vieillir. Ma mère dit toujours, j'ai retrouvé une famille. C'est un lieu de vie, c'est chez eux. Notre engagement est transparent, désintéressé et égalitaire. Il est démocratique et citoyen, militant avant tout. Les militants sont des adhérents qui définissent les statuts, effectivement, qui interviennent auprès de leur père pour recenser les besoins. Le cœur du cœur de mon métier, c'est l'être humain. On n'est pas là juste pour donner des boîtes, on accompagne le patient de A à Z. On s'engage avec eux jusqu'au bout, on les suit jusqu'au bout, on ne les lâche pas. C'est un métier magnifique. Dans 10 ans où je serai, je n'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les valeurs de la mutualité m'accompagneront toujours. À l'heure des grandes transitions, lorsque la vie chavire, mais aussi lorsqu'elle sourit, notre engagement est un chemin, un parcours sans fin, car le progrès social n'a pas de limites.